Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à la con aujourd'hui. Alors, je vais consacrer une vidéo à la con aujourd'hui sur comment ouvrir le coffre quand on peut pas ouvrir le coffre de l'extérieur. Je m'explique. J'ai vu il n'y a pas longtemps passer sur le groupe un gars qui était en panne de batterie. Attendez, il y a le soleil, voilà, comme ça. Qui était en panne de batterie, je crois. Il pouvait plus ouvrir son coffre. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais regardé. Et puis Chrysler, ils n'ont pas fait bien les choses parce qu'en fait, il n'y a aucune serrure pour ouvrir. Donc, il y a un petit loquet au niveau de votre ouverture de coffre à l'intérieur. Et bah, il faut accéder par l'intérieur de la voiture. Donc, on va regarder ça. Donc, en fait, bon, là, je ne vais pas le faire vraiment. Hein, mais bon, vous connaissez tous vos sièges. Hein, donc, pour abattre les sièges, on tire sur le petit bitonneau, bien sûr. Voilà. Donc là, ça vous ouvre. Donc, si vous êtes emmerdé pour ouvrir, ça vous ouvre votre trappe, entre guillemets. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on a? Bah, il y a juste en dessous de la lumière, il y a. En fait, moi, j'ai normalement, il y a un petit cache qui est. Comment dire? Qui doit y être. Moi, il n'y est pas, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait attention à ça. On va donc ouvrir de l'extérieur. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Donc là, je referme. Toc. Alors. On va faire ça à la moyenne. Donc là, en fait, mon coffre, il s'ouvre. Mais si un jour, vous tombez en panne de batterie ou quelque chose. Donc, de l'intérieur, en fait. Alors, on va regarder ça. Je ne sais pas si on va voir. Si, je ne sais pas du tout si on va voir. Alors, en fait, voilà. À l'intérieur, vous avez... On ne va rien voir du tout. C'est la merde. En fait, vous avez un petit loquet. En fait, une petite patte que vous allez pousser comme ça. Donc, il y a une petite patte, je ne sais pas du tout si on la voit. En fait, il y a une petite patte ici. Là. En fait, vous la poussez comme ça. Vous la poussez dans ce sens-là. Et en fait, ça vous déclenche votre coffre. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous le faire en direct. Je fais ça comme d'habitude, hein, à la Wanedienne. Alors, pour voir si ça fonctionne chez vous, et vous prenez un petit tournevis. Là, pour aller planter votre femme, par exemple, ça vous casse les couilles, ou votre belle-mère. Hein? Alors, donc, là, en fait, ce que je vais faire, je vais forcer le truc à se fermer. Voilà. Là, en fait, j'ai fermé mon loquet, volontairement. Et, là, la petite patte, en fait, je vais la pousser. Je ne vois rien du tout, je suis à contre le jour, je vais la pousser dans ce sens-là. Il y a une petite patte vraiment au bord, on la sent, on sent avec les doigts. Et toc, et là, ça a ressauté. Comme ça, ça vous ouvre votre coffre. Donc, si vous êtes en rate de batterie ou que vous ne pouvez pas ouvrir votre coffre ou que vous kidnappez quelqu'un, vous lui expliquez pas le système parce qu'il va pouvoir se barrer. Et puis, hop, alors attendez, je vais ranger ça dans le fourbi. Et puis, ben voilà. Donc, petite vidéo à la con, hein, comme d'habitude, petit truc à la con. C'est simple, efficace. Et puis, ben, n'hésitez pas à liker ma page. Et puis, comme disait Schwarzy... I'll be back.